Alors, exceptionnellement, je vais pas dire bonjour. Ils vont se dire, mais pourquoi dis pas bonjour hein, tout le temps, Beverly, tout le temps, Pauline, Anina, nanana. Tu fais un petit clin d'œil à quelqu'un. Même deux personnes, il y a Alora Bora et Allo Aloa. Deux personnes que j'apprécie beaucoup. Parce que... Aloha! J'étais obligée. Parce que la vidéo d'avant, je l'ai pas faite. J'ai parlé d'autre chose d'ailleurs, mais voilà. Alors attends. Je sais pas si ça va se voir. Du coup, il y a un petit palmito. Hein. Je peux pas trop monter plus, voilà. Oh. Je sais ce qu'elle va me dire. Oh, ton... C'est un pyjama, du coup. Ouais, je suis en pyjama. Ouais. Ça peut faire aussi, du coup... En tout cas, c'était dans le rayon pyjama, mais ça peut être aussi un petit haut tranquille, quoi, d'été. Voilà. Donc, ça fait une semaine que je dors comme ça et que je pense automatiquement à ma petite soeur chérie de cœur, je précise. On sait jamais, à Laura Bora, du coup, hein, ma petite Laura. Et je pense également à Allo de la chaîne. Allo, Aloha. Très belle chaîne d'ailleurs, soit dit en passant. Si vous êtes curieux, je vous laisse son. Sa petite chaîne. Dans le i, si je peux le mettre. Parce que je sais pas si on peut mettre une chaîne. Je crois que si. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. On va commencer. Enfin, on va commencer, oui. Pour parler de. D'un produit terminé, c'est toujours blissime et c'est toujours blissime de mai, du coup. Et là, c'était la crème de jour de la marque Natura Siberica. Donc, ça, c'est une marque bio et tout le bordel, hein. Ça a été fabriqué en Europe. C'était un 15 millilitres. Fallait que ça soit appliqué sur peau propre et sèche. Donc voilà. Donc c'était un petit format, mais j'ai envie de te dire, il m'a pour une crème de jour, elle m'a fait pas mal de temps, surtout que je l'ai oublié. Enfin, je l'ai amené en vacances, mais. J'ai pas spécialement pensé à la mettre. J'ai plus pensé à protéger ma peau du soleil que à me mettre une crème de jour. Donc voilà. Voilà. C'est pas grave. Du coup, c'est pour ça que je l'ai fini là, parce que sinon je l'aurais fini bien avant. Du coup, du coup, pour parler, déjà, c'est la première fois que je reçois. Un produit de cette marque. Écoutez, elle commence bien parce que spécialement, pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est quand même riche. Hein, elle est quand même riche, donc c'est bien. C'est bien une crème riche. Et bon, après, je mettais que la crème de jour. Je mettais rien à côté. Voilà. Ben pour ceux qui savent, je teste mes produits, mais mois par mois en fait. Donc là, je suis au mois de mai. Je crois que j'ai bientôt fini d'ailleurs avec le mois de mai. Et attendez de voir ça. Ah non, il me reste un produit. Voilà, il me reste un produit que j'ai mis après ça, du coup. Hein, que par contre, j'ai commencé déjà à utiliser en vacances. Parce que c'est un lait, on va dire c'est un lait fraîcheur, mais c'est aussi un.
C'était un après-soleil. Sauf qu'il y a marqué quoi aussi? Attendez, j'essaie de lire. Ah oui, ça prolonge le bronzage, répare et apaise. Bon, ce qui fait que vu que bah, j'ai des petites imperfections, voilà, je vais pas le vu que le temps qu'il fait, je vais pas le mettre en tant que après soleil, tu vois, mais je vais le mettre en tant que crème pour le visage. Il va servir à ça, comme ça, voilà. Parce que je sais que l'année prochaine, on va recevoir encore des produits après soleil de toutes les à peu près de toutes les box hein, voilà, que j'ai. Hein, on n'est pas voilà. Comme ça écoule mon stock. Donc voilà quoi. Parce que voilà quoi. Donc il coûtait combien? Vu que j'ai le petit flyer là. Ah oui, il coûte quand même. Oh, ça va. Le format 50 ml, il coûte 11 euros. Donc pour son prix, il vaut largement son prix. C'est un bon produit. En plus, ça l'est. Alors, hydratante, je suis d'accord avec ça. Protectrice aussi. À la quoi? Rhodiola rosea. Donc c'est, il y a de la rose. Et ben écoutez, l'odeur de la rose, elle est tellement, comme disent beaucoup de gens, subtile, tellement légère en fait. Elle est légère, donc moi ça me bloque pas parce que moi j'ai un problème avec les roses, hein, vu que déjà je suis allergique au pollen. Enfin voilà quoi. Non hein? Mais c'est pour ça qu'en fait j'ai du mal avec les produits qui sentent la rose, spécialement la rose. Hein. Et la lavande, c'est pour ça que j'aime pas la lavande. Du coup, tout, pardon, je suis partie en cacahuète. Du coup, je l'ai fini ce matin, du coup, et je l'aime bien. Et spécialement, elle a pas un finigras déjà, hein. Elle absorbe très vite la peau. Donc, je dirais même qu'elle est nourrissante. Je dirais même qu'elle est nourrissante. Elle a bien nourri ma peau, je pense. Je pense, pourquoi je dis je pense, c'est que je suis sûre. Voilà. Donc, en plus, c'est un produit green. Bah oui, bio, du coup. Pardon, Beverly. Pardon, moi. Donc, je valide ce premier produit de cette marque. Nouvelle pour moi d'ailleurs. Donc voilà, parce que j'adore découvrir des autres marques qu'on n'entend pas parler. Parce que ça, spécialement, on n'entend pas parler. J'ai bugué. Donc, très contente. Donc du coup, allez, je mets un 10 sur 10. Parce que je peux pas mettre moins. Voilà. C'est pas non plus voilà quoi, je veux dire l'exploit du truc, mais c'est une bonne crème de jour, faut l'avouer. C'est dur de, moi je dis, je trouve que c'est dur de placer des produits dans le, enfin les mêmes genres de produits. Par exemple, il y a beaucoup de crèmes de jour, il y a beaucoup, enfin voilà, beaucoup de concurrence comme on dit. Et c'est franchement c'est difficile de des fois, je dis bien des fois, de les classer. J'avoue. Voilà quoi. Donc voilà. Donc on va se retrouver demain, déjà ça c'est sûr. Parce que demain, j'aurai fini un autre produit. Je vais vous parler de mes cheveux du coup. Aïe. Et voilà. Et voilà. J'ai du mal avec les fins de vidéo aussi. Alors, pardon, un petit mimique de merde. Mais c'est un petit mimique. Alors, donc on se retrouve demain pour un autre produit terminé. Ensuite, je vous souhaite une bonne soirée.
parce que là il est quand même presque 6 heures, donc une bonne soirée. Et je vous fais des gros bisous. Moi et mes bisous. Moi je suis team bisous, team câlin. Donc le jour où je vais passer au câlin. Envahissement de câlin. Des bisous.